C'est un grand jour. On va s'attaquer à la housse de ce canapé. Ce canapé est un canapé comme les étagères, comme le fauteuil, comme à peu près tout ce qu'il y a autour Ikea. Ce canapé a 10 ans. Ce canapé est bien. Ce canapé est bien. Ce canapé est délavé. Ce canapé est vieux. Et donc du coup, l'idée a été de faire une housse. Parce que ce canapé a des particularités qui sont premièrement, c'est un canapé d'angle. C'est un canapé avec un caisson. Rangez les duplos. Donc avec un caisson, donc on va pouvoir ouvrir le caisson et c'est un canapé qui fait aussi canapé lit. Et donc on doit pouvoir aussi ouvrir le lit quoi. Voilà. Donc voilà ce qui nous amène ici. Donc je range ça. C'est un canapé aussi sous lequel nous cachons des puzzles de la Reine des Neiges. Donc j'avais fait ça. Ce que nous appelons communément chez nous des Nebraska. Donc des Nebraska qui sont donc des trucs pour s'asseoir quoi. Donc c'est deux tissus avec du moton et c'est quadrillé, voilà. Dans le tissu qu'on nous a acheté. Et j'ai aussi 12 mm de tissu pour couvrir ce canapé. C'est en train de tourner. Et donc du coup l'idée est de partir de Nebraska pour en fait venir coudre du tissu autour ici, autour de ça et voilà. Et l'idée serait donc de faire une housse qui va ici et qui va derrière. Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Qu'elle aille derrière et aussi qu'il y ait un pan qui revienne pour masquer les coussins en fait. Une sorte de drap housse qui partirait ici qui couvrirait les coussins. Donc ça c'est l'idée, il n'y a plus qu'un. Hein. C'est grand jour. Je vais recouvrir mon canapé. Go.